Lève ma voix.
Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Je vous remercie pour votre présence. Amen. Nous allons débuter. Je tiens d'abord à m'excuser pour le retard que nous avons encaissé. Je pense qu'au cours du moment, nous allons nous rattraper. Que nous avons fait oublier ce retard, la peine intense moment de louange et d'adoration dans lequel nous allons tous nous réjouir. On peut ensemble se tenir debout pour la prière d'ouverture, s'il vous plaît. Et nous prions. Notre Père, nous voulons te bénir et te dire merci pour ce temps que tu permets. Nous voulons être reconnaissants parce que nous savons, Seigneur Dieu, que ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est par toi, éternel Dieu, par ton esprit, qui nous donne la grâce, qui nous donne la force, qui nous donne le soutien nécessaire pour pouvoir faire quoi que ce soit pour ta volonté. Nous voulons te recommander ces instants. Nous voulons prier afin que ta grâce se meure. Que ta puissance soit à l'œuvre, que tout ce qui n'importe de toi soit ôté au nom de Jésus. Que la chair fasse silence et que l'Esprit de Dieu se manifeste au travers de chaque instrument, au travers de chaque voix, au travers de chaque vie, pour l'édification de ton peuple et pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, nous laisser conduire par ta puissance, par ta présence. Nous voulons être immergés, Seigneur, par ton onction. Nous voulons vivre un moment intense. Afin d'être rempli, afin d'être régénéré, afin d'être, Seigneur Dieu, renouvelé par ta puissance. Que toute l'honneur et la gloire te soient rendues pour les siècles des siècles. Et le peuple avec moi dit Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Et se rasseoir tout doucement. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je suis très heureux d'être là et. Je m'appelle Yves, évangéliste de ministère, et aujourd'hui nous sommes là pour passer un moment intense. Alléluia. Et le temps que nous passons s'appelle Elad. Elad, et nous sommes à la première édition, Elad 2019. Alors qu'est-ce que c'est Elad? Elad est une expression. Expression qui est un temps de louange et d'adoration, qui réunira beaucoup de personnes. Nous parlons d'une centaine et plus et qui viendront de divers horizons. Le but est de permettre à tous de s'exprimer devant Dieu au travers de la louange et de l'adoration. Ils font partie de la reconnaissance. Expression, tu tiens ce 28, le samedi 28 à 16h. Bon, là, il n'est plus 16h, hein. Et c'est à l'église Arche de Dieu, c'est l'église qui nous réunit, qui est située ici. À Laurier 15, derrière le lycée français Jules Verne. Alléluia. Et nous voulons, de par cette occasion, saluer et remercier l'ange de cette maison qui met son public et son hôtel à disposition. Nous voulons saluer le prophète Samuel d'Aplex. Alléluia. Je vous donne la parole au Seigneur. Je salue. Que la vie de son épouse à côté, toute l'équipe du Père avec lui. Alléluia. Alors, sans transition aucune, nous allons ouvrir ce temps. Nous sommes là pour la louange et l'adoration. Nous sommes venus pour nous divertir et entrer en profondeur avec le Seigneur, de par ce temps de chant, de par ce temps de commémoration, de par ce temps d'ouverture de l'esprit. Et nous voulons débuter par la flamme de louange et d'adoration de l'Église qui nous reçoit, l'Église, la Arche de Dieu. Je voudrais, mesdames et messieurs, que nous recevons ici la flamme de louange de cette Église. De par vos acclamations, de par vos ovations, nous allons les recevoir. Et nous allons dans le vif du sujet. Que Dieu soit béni. Alléluia. Acclame le Seigneur pendant qu'ils arrivent. Acclame le Seigneur pendant qu'ils sont là. Pendant qu'ils arrivent. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Dieu ce soir? Alléluia. La Bible dit que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est présent. Donc je voudrais que tu saches ce soir que le Saint-Esprit est là et qu'il va te toucher. Si et seulement si tu te laisses toucher par lui. Amen. Il faudra savoir que sans Jésus, tu n'es rien. Mais sans toi, Dieu est Dieu. Amen. Sans toi, Dieu est Dieu. Mais sans Jésus, toi, tu n'es rien. Sans Jésus, je ne suis rien. Nous avons besoin de Jésus dans notre vie pour entrer dans une autre dimension. Nous avons besoin de Jésus dans notre vie pour réaliser tous nos projets. Nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Pour tout ce que nous faisons. Parce que c'est lui seul qui donne.
vie éternelle. C'est lui qui te donne le salut. Il faudra que ta vie soit agréable à Dieu. Il faudra que ta vie soit un parfum pour que tu puisses entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que ce soir tu veux chanter avec moi? Est-ce que ce soir tu veux adorer avec moi? Je ne voudrais pas que tu sois un observateur parce que c'est un concert. Je voudrais, il faudrait que tu saches que c'est un moment d'adoration. Alors ensemble, nous allons adorer. Il faut disposer ton cœur parce que Jésus est là et il va te toucher. Il va transformer ta vie. Tu ne vas pas partir comme tu es venu. Nous allons lui dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je voudrais que ma vie soit un parfum qui chante à tes oreilles. Que ma vie monte à toi comme un parfum qui chante. Un parfum qui acclame. Un parfum qui adore. Reçois ma louange. Reçois mon adoration. Reçois ma louange comme un parfum de bonne odeur. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Tu es mon yaya.
Oh.
ces prestations. Nous sommes dans le vif du sujet. Alléluia. Et j'aimerais dire une ou deux choses rapidement. La Bible dit au psaume 93 que l'Éternel règne et il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi, le monde est fait et il ne chancelle pas. Alléluia. Son trône est établi dans les plans anciens et il existe de toute éternité. Et la Bible continue pour dire que les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que les voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée du temps. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que les fleuves, les eaux, les mers, toutes les grandes étendues contemplent la bonté, la puissance et la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. On peut se rasseoir tout doucement. Toutes ces eaux-là, toutes ces puissantes eaux, célèbrent la gloire de l'Éternel. Et c'est pour nous aussi un moyen, c'est pour nous aussi sinon le moyen de pouvoir entrer dans une atmosphère d'une présence puissante de l'Éternel. Souvent, tu as l'impression qu'il y a des barrières, souvent tu as l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais le roi David pouvait dire, il dit, je suis heureux, je suis content, je suis dans la joie, lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'en tant que roi qu'il était, il savait que lorsqu'il était dans la présence de l'Éternel, il pouvait avoir la réponse, il pouvait avoir la solution. Quel que soit le problème, quelle que soit l'affront qu'il pouvait dans sa vie, quelle que soit l'adversité, le roi David savait que lorsqu'il était dans la présence de l'Éternel, lorsqu'il fléchissait genoux dans la présence de l'Éternel, lorsqu'il élevait le regard vers le trône de l'Éternel, il avait forcément la réponse. Alléluia. Les fils de Corée disent dans le psaume 84, verset 11, ils disent qu'une heure des parties, ça vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Restez dans ta maison pendant une seule heure, restez dans ta présence pendant 1000 heures. Vive ta présence, être avec toi, parler avec toi, communier avec toi. Me sentir seulement dans ta présence, être inondé par ta grâce, être inondé par ta puissance. Cela me vaut beaucoup plus que lorsque je passe 100 000 heures ailleurs. Lorsque je fais des stratégies de guerre, lorsque je suis en train de préparer, planifier le lendemain, lorsque je suis en train de penser à comment réussir ma vie, comment gagner de l'argent. Cela ne vaut rien par rapport à une seule heure quand je suis dans ta maison, quand je suis dans ta présence. Seulement ta présence, ce que je gagne, le bénéfice que j'ai dans ta présence est assez par rapport à 1000 heures que je fais ailleurs. Alléluia. Bien-aimé, la présence de Dieu et l'adoration nous transporte, nous envoie directement dans cette présence-là. L'adoration nous envoie directement dans cette présence-là. Moïse a écrit, il a écrit le psaume 96, il dit « Célébrez l'Éternel, vous tous habitants de la terre, célébrez l'Éternel. » Au psaume 92, il pouvait dire, il dit « Adorez le Seigneur pendant le jour et pendant la nuit, dites-lui tous ses hauts bienfaits. » Alléluia. Et pour vous qui chantez, pour vous qui pouvez nous conduire dans ces moments, pour vous qui jouez les instruments, pour vous qui pouvez conduire les moments d'adoration, les moments de louange, c'est pour vous un privilège. Voyez ça comme un privilège, voyez ça comme quelque chose d'important. Voyez cela comme quelque chose de grand. Vous êtes comme un canal, comme un pont qui pouvait transporter le peuple, pouvait envoyer des gens à toucher le Seigneur, à toucher la grâce de Dieu. Alléluia. Et je crois qu'en ce soir, pendant que vous faites cela, et de votre vie de tous les jours, pendant que vous faites cela, et pendant que l'océan adore le Seigneur, je crois que nous allons entrer dans cette présence glorieuse, cette présence extraordinaire, cette présence surnaturelle, cette présence qui est capable de tout. Lorsque Moïse rentrait dans la présence de Dieu et qu'il revenait, il avait toujours quelque chose de différent. Lorsque Moïse rentrait dans la présence de Dieu et qu'il revenait, la Bible dit que les gens tout autour, le peuple d'Israël ne pouvait pas contempler, il ne pouvait pas regarder son visage, parce qu'il y avait une gloire de Dieu qui était tout autour de lui. Alléluia. Cela n'est pas seulement autour de Moïse, mais nous croyons qu'avec notre adoration qui est réelle, nous allons atteindre ce niveau, nous allons rentrer dans les présences, dans les temps d'adoration, dans les temps de louange, dans les temps de présence de l'Éternel. Nous allons rentrer et le monde, les gens qui sont autour de nous ne pourront pas nous regarder au nom de Jésus. Parce que la gloire de Dieu sera si forte, la puissance, la présence de Dieu va inonder nos vies, à tel point que les gens ne pourront pas quantifier, ne pourront pas qualifier cette gloire et cette grâce qui nous environne au nom puissant de Jésus. Cela n'a pas de chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu as la bonne place en ce soir et je voudrais encore que tu acclames le Seigneur. Ton acclamation était quand même timide. Amen. Acclame bien le Seigneur. Quand le fais pour Dieu, le fais bien. Si tu le faisais pour moi, je le serais contenté de ça. Mais on le fait pour Dieu, je pense que tu vas bien le faire. Alléluia. Et pendant que tu acclames le Seigneur, nous voulons exprimer notre louange à l'Éternel. Et nous voulons exprimer notre adoration à l'Éternel.
de vouloir exprimer notre reconnaissance et notre gratitude au Saint-Esprit, de vouloir exprimer notre être qui est plein de vie. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que tu apprennes le Seigneur pendant que nous recevons le chant de Médan Adjé et Ami. Nous allons aller vers Praise Time. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour recevoir le chant? Dieu te bénisse son frère.
Je suis. Je me lis à toi, Seigneur. Ce que j'ai. Thank you.
tu vois, tu sois exprimé devant sa personne. Et lui dit qu'il est Dieu saint. Et que personne ne peut se comparer à lui. Et le tu sais. Tu es digne de louange.
Yeah.
Tu es tellement merveilleux.
Thank you.
Et ton Père, afin de vous que son nom soit glorifié. Que la grâce repose sur la vie de Médard et son équipe, sur la vie de tous ces chants qui l'accompagnent, sur leur son nom, sur tous ceux qui ont participé.